Eh bien c'est tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être une nouvelle série sur Pixelmon. Donc on se retrouve sur le serveur Pokéballers. Donc ce serveur là, je connais presque par cœur. Car en fait au changement du pseudo Minecraft, et bah tout simplement ça nous a réinitialisé tout. Donc d'un côté ça m'a arrangé, parce que j'avais déjà préparé une série et tout, mais il y a très très longtemps. Et du coup, bah j'ai arrêté. Et ça, moi, du coup, ça m'arrange d'avoir changé de pseudo. Au début, je crois que c'était Monsieur Rafo 5. Et là, bah, c'est Rafo tout simplement. On se retrouve sur le serveur. Donc j'ai déjà l'évolution de Salamèche, quand il venait d'évoluer. C'était con, Salamèche. Salamèche. Tac au feu. Ça j'ai oublié lui. Charméléon. Attendez, on va le mettre en langage français. Et voilà, tout simplement, moi j'ai envie de le refaire. Bon, j'ai pas fait le badge d'arène normalement. Pierre Soleil, machin, non. Donc j'avais récupéré des bottes, donc j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai juste traversé une forêt, enfin vous allez voir tout ça. C'est Reptincel. Voilà. Donc du coup c'est parti, pour ceux qui connaissent pas, voici l'IP du serveur. Un très grand serveur, je sais pas si c'est l'un des plus grands, mais de Pixelmon, en tout cas pas francophone, anglophone. Voilà, qui a été créé par La Clown, je sais pas comment on dit. C'est un youtubeur Minecraft simplement. Et donc on arrive à première ville, Viridian. Viridian City. Voilà, du coup avec un petit centre Pokémon. Alors ici c'est la route oh, pardon, attendez, je prends vite fait. Ok, 46, d'accord. Au moins, alors là c'est la route, c'est vers la route Victoire simplement. Ici qu'est-ce que c'est, donc à chaque fois au pire on regardera un peu les villes, hein, tout ce qu'il y a pour s'y connaître. Quand je voudrais peut-être un mode on met la map. Pourquoi pas? Ouais, je suis niveau 16. Ah, je suis niveau 16, je me rends. Bon, allez, vas-y, on va tenter. On va tenter. Bon. Ouais, vas-y, d'accord. Vas-y, tue-moi vite, qu'on en finisse. Oui, c'est bien, tu veux montrer tous tes Pokémon. Tu veux... Ah, peut-être qu'il veut qu'il s'exprime. Bon, il est niveau 16, hein, faut pas. Tiens, griffe. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Allez, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, tu veux me faire XP? J'en sais rien. Bon, allez, regarde, Zioner, voilà, c'est lui. Larkin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Dépêche-toi, putain, j'aurais jamais dû accepter. Allez, tue-moi. Voilà, merci. Et du coup, on va... Tac, alors, on va les soigner. Voilà. Du coup, on y go. On va à la forêt de Jade. Donc voilà, donc le serveur Pixelmon Kanto, donc on est dans la route 2. En fait Pixelmon Kanto, bah, c'est la première génération de Pokémon, du coup bah, ils ont tout refait. Alors là, si vous savez pas pourquoi ils ont fait OO, donc dans les premiers épisodes, bah en fait il y a... Alors je sais plus tellement, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus, en même temps j'étais petit. Premier épisode de Pokémon, on était au... Alors c'est quand il y a Sacha qui parle au professeur Shen. Je crois que je les ai déjà fait. Quand Sacha il parle au professeur Shen, bah, pour le parler depuis le centre Pokémon. Et il dit, oh là là, il y a un oiseau. Il y a un oiseau rouge un peu enflammé qui vole dans le ciel et tout. Mais non, t'hallucines et tout. Alors qu'en fait il y avait un putain de ho-ho. Dans le premier ou deuxième épisode, qui voit, alors qu'en fait c'était un animal.
Bah, c'est un Pokémon légendaire, bien sûr. Oh. Donc voilà, Sacha l'a découvert dès le premier épisode. Donc c'était juste la petite parenthèse pourquoi il y avait ce oh en pixel art. Enfin, je pense, enfin, je sais même plus du pixel art, là, c'est du. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle quand on laissait des. Bah, ils reproduisent en 3D. C'est extra, je sais pas quoi. Non, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, on est sorti de la forêt de Jade. Et donc voilà, on le voit mieux. Qui est très très bien fait. Et donc là, on arrive ville de Peter. Donc là, c'est là où il y a le. Peter, enfin, ville de Pierre. Simplement, pas Peter. Même si ça veut dire la même chose. On va faire. Donc là, en fait, là, si vous allez dans ce petit coffre-là, vous avez des vieilles chaussures qui vous met 50% de speed. Si vous rentrez dans ce. Bon, je vais vous montrer. Hop, vous rentrez dans cette zone. Vous pouvez avoir une ambre. Non, je vais juste passer par là. Et donc là, la reine, elle est au fond. Donc c'est parti. Donc en fait, Bob, on va. Cette aventure va se terminer quand on aura fini la ligue. Tout simplement. Donc moi, j'avais joué. À peu près. Ça fait assez longtemps. C'était une arène avant la ligue encore. Donc j'avais cette badge. Donc du coup là j'ai pas commencé. Let's go. Alors. Ah, attends, il a évolué mais il a encore Flamèche. Il a pas un truc combat. Ouais, il s'est pas mis. Mais je pense qu'on. Il a deux doigts de up. Je pense qu'on va le faire up. Ah bon, parce que là ils vont me massacrer. Voilà. C'est bien maintenant aussi de TP maintenant ici. On va le faire up. Donc là juste à côté là il y a plein de Pokémon. Parce que normalement quand il évolue, il a genre une attaque de combat. Donc c'est pour ça que avant de faire la première arène à chaque fois, si on prenait un starter feu, je crois que même dans tous les jeux Pokémon, la première arène c'était toujours une arène de feu, de pierre. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois fallait mieux le faire évoluer ou alors capturer d'autres Pokémon. Ça vous le faites. Ah. J'ai déjà. C'est pour ça qu'il fallait le faire évoluer pour qu'il avait une attaque de combat. J'ai même pas évolué. Alors. Résumé. Ok. Car en fait là. Normalement, il devait en avoir une, donc il n'en a pas, c'est bizarre. Peut-être que s'il en a pas, peut-être le refaire évoluer, peut-être qu'il en aura. Donc j'espère que vous n'entendez pas les bruits de souris. Ah bah, attaque Draco, donc c'est les dragons, d'accord. Bah ouais, ça, hop. Est-ce que je l'ai? Non. C'est. Hop, résumé. Non, résumé. Stat, non. Compétences, d'accordage, bah nickel. Du coup, on va pouvoir faire la ligue tranquillement. Allez, toc, toc. Du coup, on va aller sauver notre Pokémon parce que je pense que là on a utilisé plein de fois Flamèche. Et donc là, vous avez la petite boutique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent des potions. Alors, slash monnaie 3 700 $. Du coup, on peut s'acheter ouais, pour 200 des Pokéballs. On va s'en acheter. Pour en avoir 5, nickel. C'est jamais hein, si on veut capturer des Pokémon. Je capture pas tout de suite. Voilà. Même si c'est pas forcément obligatoire de capturer des Pokémon. Enfin, je me rappelle. Enfin, si vous voulez, ça sert à rien de trop se préparer pour la ligue. Enfin, ça sert à rien. Oui et non, mais. En fait, quand je jouais. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir un an ou deux. J'ai joué aux émulateurs. Simulateur sur ma Game Boy de Pokémon Emerald, je crois. Et à la fin, bah, mon Brasigali, j'avais XP que lui en particulier. Et là, j'ai réussi à le faire en entier avec des une popo pour qu'il puisse récupérer ses pépés. Et du coup, j'ai réussi à gagner la ligue juste avec Brasigali. Donc, c'était voilà. Faut pas trop se préparer non plus. Voilà, la ligue, c'est pas quelque chose de très très dur. Courage. Ouf, ça one shot. Un courage.
Ouh, il a mal. Par contre, moi aussi j'ai très mal. Ok, 18. On va tenter. On va tenter de le faire. Ah, je vais me faire niquer. Ouf, je peux tenir encore. Ok. Allez, vite. Ah, ah. Ah, dommage, putain. En fait, c'est le dresseur qui m'avait bien mis la misère. Je sais pas ce qu'il avait, j'avais pas vu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on y retourne. Donc après, ça nous fera notre premier badge. Hop. Nickel, Rock Gym. Alors, non, il y en avait. Non, je sais plus. Faudrait que je les refasse ces versions-là. Parce que, en fait, je crois que je les ai vraiment. Ré jamais réellement fait sur les consoles. Moi, le jeu où j'ai commencé. Trainer Canly Battle. Ah, un jour de Minecraft. Ah, d'accord. Bon. Bah, ça sera pour le prochain épisode alors. Voilà. Bah, on le fera pour le prochain épisode. Et du coup, on va XP, hein. Simplement, on va avancer. Et pour le début du prochain épisode, bah, on se retrouvera ici pour le premier badge. Alors. Bon, c'est sympa au moins, voilà. Au moins, il faut être préparé à l'avance. Ça, je ne savais pas, c'est un changement. Le serveur progresse chaque jour. Et c'est ça qui est bien. Donc là, c'est la zone où tous les VIP, normalement, on peut pas y aller, hein. Voilà. Tous les VIP ou les donateurs, je crois que c'est ça. Donateurs, ouais. Pour qu'ils puissent se TP. Vraiment, là, vous faites un slash spawn. Bah, si vous n'êtes pas donateur, bah, vous pouvez plus vous TP. Enfin, vous pouvez pas vous TP plus rapidement. Donc là, faut vous taper toute la route. Donc, évitez de faire slash spawn quand vous êtes à l'autre bout de la map. Oula, bah, courage pour ça. Je pouvais éviter. Moi, ça nous fait XP. Même si je pense que je l'arrivais du premier coup. Hein, c'était le dresseur qui m'avait vraiment. Ah, 108$. Nickel. C'est le dresseur qui m'avait vraiment affaibli. Allez hop, Flamèche. Flamèche. Donc mon texture pack, bah, je vous mettrai au pire le lien du site si j'oublie. Quand ou si j'ai oublié, dites-le moi dans les commentaires pour que je le mette. En tout cas, vous tapez Pokéballer sur internet. Donc pack de ressources, c'est celui-là. Skywalker. Tout simplement. Hop, voilà. Oh, j'ai même pas tué. Alors, moi il meurt. Flamèche, ratata. Même pas one shot. Ah d'accord, ils sont niveau 15 aussi. C'est bien me faire XP. Puis c'est fini. Doran. Non. On va essayer de capturer trop de Pokémon. Hein. Faut vraiment voilà, essayer de capturer les Pokémon qu'on veut de team. Bah, une par catégorie à peu près. Déjà, bah, Draco au feu. Mais bon, déjà, un bon Dracaufeu, je pense qu'il va être niveau 70 à la fin de l'aventure. Un bon Dracaufeu, ouais, ça fait très très mal. Des fois, il y avait des boss qui spawnaient ici. Un bon Dracaufeu 70, déjà, on est bien. Après, au niveau haut. Ah, donc là, on va partir dans la forêt. Ah, dans la grotte. Grotte casse-couille. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, en Pokémon haut. Si on peut voir un type. Attends quoi? Les fossiles, on peut enfin, on peut avoir un fossile dans le laboratoire à Canibar Island, à l'île Canibar. Canabar plutôt. Du gros. Enfin, du coup, il faudrait que je mette mon fossile. Et à la fin de cette grotte-là, on peut avoir un fossile aussi. Enfin, on verra. Donc, c'est soit un Kikli, je crois, ou un Hitmonkey. Du coup, bah. Ah, j'ai déjà tout fait comme tous les dresseurs là. Tiens, ça allait assez vite. Bon, du coup, on n'est pas si loin de la fin. Bon, j'aimerais bien que ce soit un peu plus d'une minute. Je pense pas qu'on est à 20 minutes encore. Je sais pas. Du coup, toi, est-ce que je t'ai fait? Non, je l'ai pas fait. Hop, Flamèche. Bon, pour niveau 7. Ah non, en fait. Ah si, je t'avais déjà fait. Toi. Est-ce que je t'ai fait? Ah non, oui. Oui. Donc le serveur est en 3.4.0. Il est en AC10 du coup. Ah, parce que
après changer de version à un serveur entier comme ça avec plein un tas de plugins, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir des conséquences. Et bon, le serveur a pas besoin de ça. Après, c'est la première génération, donc pas besoin forcément de trop nouveaux Pokémon. Je pense que les Pokémon de première génération, ça commence à, je pense que ça commence à faire un peu le plein. Bon, il n'y a pas encore les Pokémon légendaires comme Ho-Oh et tout ça, mais je pense que ça peut, c'est déjà assez suffisant. Donc voilà, comme on n'a rien à faire, je fais un peu la petite visite. Alors là, c'est le musée à fossiles. Ah, je me rappelle pas du tout. Après, j'essaie de me référencer un peu là, avec les jeux, mais pas trop de rappels. Du coup, c'est ici. Voilà, vous cliquez ici. Voilà, il se dit dans 1000 jours. Dans 1000 jours, je pourrai en avoir un autre. C'est-à-dire dans 4 ans. Pour un peu plus de 3 ans. Même pas, 3 ans. Ouais, 3 ans, un peu moins. Voilà, et du coup, là, hop, do not take out and put back in the boots. Donc, du coup, on avait. Ah, bon, on les a encore. Donc, on va les reposer. Du coup, on a les chaussures. Bon, on va les prendre au cas où. Si, bon, bref, c'est pas grave. D'accord, on va les mettre là. On mettra. Ah, bah, du coup, c'est buggé. Hop, on va les mettre là. Hein? Pourquoi je cours pas vite? Est-ce que j'ai. Non. Ah, voilà. Non, on va pas prendre les deux, c'est un peu buggé. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, donc il était un petit peu court. Mais en fait, c'est que ouais, je veux pas partir trop loin parce que la cave elle est assez longue. Et le problème, c'est que. Voilà, la cave, je pense qu'on va peut-être prendre un épisode entier. Bon, à voir avec ma mémoire si je me rappelle. Mais bon, je pense que je me rappelle encore un peu des endroits. Bah, pour sortir de cette cave. Mais au moins, on va en profiter pour XP. Et pourquoi pas capturer un Pokémon qui nous plaise. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si vous voulez. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Allez, ciao tout le monde!